Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Aujourd'hui, nous partons du côté du COTA, le Circuit of the Americas, pour découvrir une BMW survitaminée de près de 1200 chevaux, rendez-vous compte. Avec un poids de 1675 kg sur la balance, cette M5 E34 préparée va vous permettre de drifter ou de rouler en version course selon le type de gomme que vous allez monter. Un 0 à 100 en 6 secondes et une vitesse de plus de 250 km/h en vitesse de pointe. De quoi s'amuser donc, un bruit plutôt agréable, pas très en corrélation avec la réalité, mais dans ces cas-ci, avec des voitures préparées, ça n'est pas le plus important. En tout cas, visuellement, elle est assez propre, même s'il y a quelques reflets assez désagréables au niveau de l'intérieur qui est assez brouillon. La voiture est très jolie et elle fait vraiment, vraiment le travail. Une série 5, donc, que l'on retrouve en version préparé, vous pouvez également retrouver la voiture en version route classique, mais elle n'est pas si intéressante que ça. Ici, on apprécie la longueur du châssis, l'empattement qui permet de facilement transférer les charges pour du drift. Un vrai plaisir, sincèrement. Difficile par contre, une fois que la voiture est lancée dans un drift, de la caler et de la maîtriser sur la longueur. Tout l'art du drift, avec évidemment une voiture très lourde et très longue, mais la puissance sous le capot est là pour régler tous vos soucis. En tout cas, une voiture très fun que vous pouvez retrouver et bien évidemment dans la description, tout comme le circuit des États-Unis. Vous connaissez la tradition dans Track Day, les amis, vous montez le son. Thank you.